Bon. Pardon, excusez-moi. Bon, et bah ça fait longtemps que je t'ai pas venu. Excusez-moi encore, je suis pas beaucoup présent et j'espère l'être un peu plus au fur et à mesure des mois qui vont venir, mais voilà, je m'excusais quand même, histoire de. Mais voilà, je suis là. Donc, on va pas perdre plus de temps. J'avais pas envie là de jouer à Watchmen, et puis bah, je suis pas encore prêt pour jouer à Elmo parce que j'ai pas fini le jeu Watchmen. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que j'aime bien faire? Et il y a un truc que j'ai pas fait depuis longtemps, je l'avais pas fait en live, c'est la première fois que je vais le faire, c'est découvrir les anciennes émissions de l'Eurovision. Et je trouve ça toujours assez intéressant parce qu'en fait, c'est des chansons qu'on n'a pas l'habitude d'entendre aujourd'hui. Mais remarque, l'Eurovision, c'est pas non plus des chansons que t'as l'habitude d'entendre non plus. Donc, salut Miyuki! Comment vas-tu? Mais ouais, du coup, les chansons de l'Eurovision, c'est plutôt des trucs originaux, mais néanmoins très sympathiques. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de me battre. Enfin, battre. Oui, l'Eurovision! Non. J'ai envie un peu de démontrer que ça peut être très sympathique. Et après, bon, ça va être des chansons plutôt anciennes, mais je pense que ça peut être très sympathique à découvrir. J'ai vu les premières émissions, mais là je me suis arrêté à 1962 la dernière fois, donc voilà, 1962, on va voir ce que ça donne, et puis MDR, let's go, ça peut être intéressant, tu vois? Et puis toi, tu t'y connais, Miyuki, c'est ton milieu, le chant, donc. Bon, ton milieu, c'est plus. Ouais, non, c'est le chant, je voulais faire une vanne, mais j'ai pas trouvé. Donc, bref. Donc j'ai préparé ça et puis bah voilà on va tester ça. Je remercie d'ailleurs c'est EESC, je sais plus comment, ESC Archive, je sais plus, un truc comme ça, qui a remis des anciennes émissions de l'Eurovision. Enfin, la chaîne YouTube de l'Eurovision le fait, mais sur des plus récentes. Donc sur des plus anciennes, il n'y a pas forcément. Bref, je ferme ma gueule. Et puis on va découvrir bah, ce que ça donne, tout simplement. Alors, découvrons un peu cette émission de 1962. J'ai trouvé la version française. Est-ce qu'on entend bien? Ici Pierre Tchernia, on parle de Luxembourg. Ouais, on entend bien. Suisse et monégasque, puisqu'ils ont la gentillesse de nous écouter. Le panoramique que vous voyez vous présente Luxembourg. Paré de ses habits de soirée. Car ah, au Luxembourg. Ce soir, c'est la fête. Il y a, vous le savez, le Grand Prix Eurovision 62 de la chanson européenne. Luxembourg qui a quitté l'Eurovision, hein, il y a Grand Prix pas mal de temps quand qui même. existe depuis 1956 et qui est organisé par l'Union européenne de radiodiffusion. Chaque année, vous le savez, les pays de l'Eurovision concourent entre eux et présentent des chansons. Ce soir, vous allez entendre. Ce qui n'a pas changé chansons, depuis. Et nous sommes luxueusement depuis installés 2024. Dans la villa Louvigny. Que vous voyez à l'instant, la ville de Louvigny, qui est le grand centre moderne où Télé Luxembourg prépare ses émissions et d'où les émissions sont émises. Je vous le disais à l'instant, il y aura 16 pays qui participeront ce Putain, ça fait soir pas beaucoup, hein. à cette émission. Pour l'époque, 16 pays. Enfin, bon, si, pour l'époque, ça fait beaucoup, mais et vous 16 par rapport à aujourd'hui, ça fait pas beaucoup. Salle, je précise pour les auditeurs de la radio suisse qui ne peuvent pas voir l'image que la salle est brillamment décorée. C'est un grand auditorium qui a été aménagé dans le goût du 18e Ah oui, c'est siècle. commentateur, commentateur, quoi. Des flambeaux, des tentures et un orchestre considérable, orchestre qui sera. Il y a un super balcon. Pour la circonstance, et un Il y a un qui siège. Sera là pour accompagner tous les chanteurs. Il est inconfortable. Avec un chef d'orchestre de son pays. Un coup d'œil sur la salle. Brillant public, Télé Luxembourg a bien fait les choses. Il y a là des personnalités du Grand-Duché et aussi beaucoup de personnes du monde de la chanson. Et voici qu'arrive sur scène, fort applaudie, Mireille. Bonsoir, la principauté de Monaco. Buona sera, Italia. Good evening, United Kingdom. N'a pas eu de nom de famille. Mireille. Go, Kvel, Norg. Bonsoir, la Suisse. Bonsoir, la France. Guten Abend, Nederland. Guten Abend, Deutschland. Go Aften, Sverige. Go Aften, Danemark. Guten Abend, Österreich. Attends, Buenas noches, c'est Mireille, quoi. Bonsoir, Mimi pour les intimes, quoi. C'est. Ilta, Suomi. Bonsoir, millions d'amis. Le Grand-Duché est 16 très bonjours heureux différents, ce c'est chaud. De vous souhaiter la bienvenue. Aujourd'hui, ils le font pas. Vous hein. Ils sont plus d'une quarantaine. Luxembourg. Cœur
ce soir au rythme de 16 chansons nouvelles. Vous venez d'entendre Nous les amoureux, la chanson de Datin et Vidal. Non, on n'a pas entendu. Pierre Tchernia, il commentait les fauteuils et puis moi je me foutais de sa gueule. On n'a pas entendu. À Cannes, ce qui nous a permis de vous présenter l'orchestre de Jean Rodrez. Allez, non. Je connais pas du tout. Je suis heureuse maintenant et assez fière, je vous l'avoue, de déclarer ouvert ce 7e Grand Prix Eurovision de la chanson et que la meilleure gagne. Ah ouais, c'est un tableau quoi. C'est... Sur ce grand panneau où tout à l'heure s'inscriront les scores, les résultats des scrutins des différents pays. C'est marrant, ça fait très les titres des 16 chansons. Ça fait très, comment dire, le tirage au sort qui a été exécuté il y a pas coincé, mais très, ouais. Place à la Finlande. Je vais pas dire, je chante Tipiti. Tipiti, ça veut dire tralaler en français. C'est l'histoire d'un petit oiseau et du printemps. Tipiti, 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 que va ton balaton, tipiti, 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 lintunen, kertoisen, tipiti, 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 ketsimen, jenneten, tipiti, 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 harmahin, uhmankin, kuorolaulukun lauletaan, tässä kumpikin osallaan, saamme kauemmas kuumaan, kutsun rakkauden. Tipidi, tipidi, pidi, pidi, pesänkin. Tipidi, tipidi, pidi, pidi, tule vain armahain. Kevät siivin iloisin liihoittelee meillekin pyöritellen. Je me moque pas, hein. C'est le refrain me fait rire. Mais non, en vrai, ça, c'est pas grave. L'histoire de printemps et d'oiseaux chantée par Marion Rong, qui représentait la Finlande. Voici la deuxième chanson, la Belgique. Fugue Leclerc, que vous avez déjà eu l'occasion de voir lors d'autres concours Eurovision. Ah oui, ça me dit quelque chose, Fugue Leclerc. La chanson belge s'appelle Ton nom. Chanson en français. C'est quel pays ? Voilà, en Belgique. Ton nom qui joue avec mon nom pour lui donner le mien, effacer le tien. Avec mon cœur, à grands coups de bonheur est perdu. Et puis ta main qui garde la mienne et me guide dans le.
jusqu'au soleil. Nous n'avons pas besoin des amours compliqués, des amants de cinéma. Nous n'avons pas besoin de nous faire du ciné. Le bonheur, c'est lorsque je vois ton nom qui joue avec mon nom pour lui donner le mien, effacer le tien. De bonheur est perdu. Et puis ta main qui garde la mienne et me guide dans l'ombre jusqu'au soleil. Jusqu'au Leclerc, qui la par contre, après, tu participes avec une chanson comme ça aujourd'hui à l'Eurovision, elle passe même pas en finale. Mais elle est très belle, hein, mais elle passera pas en finale. Il y a besoin de plus de différence. Tipiti aurait plus de chances pour le coup de passer en finale si on y est, si c'était présenté aujourd'hui. Quoi. Entendu Pierre Tchernia dire, et vous allez voir le le chef d'orchestre luxembourgeois prendre la baguette. Deux secondes passent et il fait ah non, il apprend pas. Oh putain, Pierre Tchernia il nous manque. Bon, excusez-moi l'Espagne, on reprend. Llámame si te ves perdida,
pero no me pidas que crea en ti otra vez. Y llámame si lloras, si me necesitas. C'est pas mal, ça. À la guerre, Eliamam qui représentait l'Espagne, nous en sommes au numéro 4. Vous allez entendre maintenant. Ouais, mais pour l'instant, ouais, sur les 4, là, j'aime beaucoup l'Espagne. C'est-à-dire, ce n'est que dans l'air de la ville de Vienne que l'on entend la mélodie d'une valse. C'est une chanson qui est. C'est marrant, à l'époque, ils avaient chacun leur interprète et leur chef d'orchestre. Aujourd'hui, t'as plus de chef d'orchestre, hein. C'est terminé, c'est. C'est maximum 6 sur scène, je crois. Et tout est fait sur scène. T'as pas de truc à côté. N'hésitez pas à mettre ce que vous pensez des chansons hein, dans les commentaires. Dans le chat, pardon. Peut-être dire une connerie, mais elle a des airs de Neville Londuba dans Harry Potter, non? Putain. C'était le numéro 4, l'Autriche, Eleonore Schwartz et la chanson Toutes les chanteuses sont pas capables d'en faire autant, hein. La montée de voix comme ça, là, me donne du. Helen Winter, qui est une sorte de transposition de petit homme, c'est l'heure de faire dodo, car c'est une berceuse et la maman chante à son petit garçon qu'il doit s'endormir et ne pas penser aux choses si tristes qui attristent la vie des grandes personnes. Danemark. Träumen wir richtig.
som voksne mennesker kymrer sig om og streger alle sorger på den lange liste, så den i morgen tidlig er tom. Skynd dig ind i lejeland lige så hurtigt som du kan. Skynd dig ind i sorgen. Som en lille mus, hør, så kan du høre en stjerne spille over vores mennesker fymrer sig om og streger alle sorger på den lange liste, så den i morgen tidlig er tom. Skynd dig ind i lejeland lige så hurtigt som du kan. Skynd dig ind i sorger. Semaine de numéro 5, Hélène Winter est la berceuse d'Amoise. Bah, ouais. Numéro 6, nous allons trouver la Suède, Inger Berg. La berceuse, ça marche. Dont le sujet est assez étrange. Dans la Suède, c'est les le plus gros, les plus costauds en fait à l'Eurovision depuis 10-20 ans, j'en sais rien. Donc du coup, je sais pas ce que ça donnait à l'époque, je me souviens plus. Par rapport aux premières chansons.
content de l'avoir. C'était donc Inger Bergren qui chantait Solokvor, la chanson suédoise. Et maintenant, nous allons passer... Non, mais la Suède... Je sais pas comment ils font, ils arrivent à créer des symphonies, de la musicalité qui fait que tu sais automatiquement. Ça reste en tête. Ils sont très très bons la Suède. Pourtant, c'est pas dans les pays les plus connus dans le milieu de la chanson populaire, on va dire. C'était donc Conny Frobus qui représentait l'Allemagne. Musicalement ça va, je suis pas très fan de la sonorité des paroles par contre. La chanson numéro 8 qui sera défendue par des duettistes. Oh, messieurs de Spellbreakers. Je dis messieurs de Spellbreakers, c'est peut-être pas leur nom, c'est peut-être le nom de leur ensemble. Ils vont chanter Katinka. C'est la Hollande, c'est pas les Pays-Bas. Daarom zingen alle jongens haar belangen na. Kleine kokette Katinka, kijk nou eens een keertje om. Stiekem je school voor je schouder, je ma ziet het toch niet eens kom. Kleine kokette Katinka, ben je verlegen misschien? Wil het zo graag nog heel even een glimp van je wit neusje zien? Alors Marlene Wayne, on regarde l'Eurovision 1962. Et elle découvre beaucoup de choses. En disant qu'il y a eu des problèmes de lumière. Ça va, ouais, fatigué, mais comme d'hab. Mais sinon, ça va. Et toi, Marlene Wayne, comment vas-tu? Alors c'est une plateforme que les gens connaissent pas forcément, pas très populaire en fait. C'était populaire peut-être un temps, il y a très longtemps. Ça s'appelle YouTube. Je
sais pas si tu connais, mais... Ah, il savait plus quoi écrire. La 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 la. Ah. Je pensais que c'était la live. Mais j'étais où, j'ai la flemme d'acheter des cartes en canette, c'était aussi la pluie. Bah, je sais pas, j'ai les volets fermés. Oh, là c'est la France. Attends, c'est l'époque où la France était reconnue à l'Eurovision, que était respectée. Attention, ferme ta gueule. Tout de suite, ferme ta gueule. Tiens, allô, ferme ta gueule. S'oublie jamais. Un premier amour, on le cherche toujours. Dans d'autres amours, toute sa vie, on court après. Il nous attend. Tu regardes comme si j'étais déjà avec un boulot en Mayenne, lol. De quoi? Premier amour. Tu regardes. Mais l'enfant qu'on est. Comme si j'étais déjà avec un boulot en Mayenne. Ah putain, ok, je viens de piger. C'est parce que j'ai regardé dehors. Oui, oh, ça va. Là où t'es, la Mayenne, c'est à côté. Arrêtez d'envoyer des messages. On regarde l'Eurovision. En scène qui me dit connerie. Que je fais le temps de bonheur, savions-nous d'ailleurs qu'un premier amour, ne s'oublie jamais, qu'un premier amour, on le cherche toujours. Dans d'autres amours, toute sa vie, on court après. Ces baisers qu'on s'est volés, plus que donner. Ces gestes innocents nous engageaient pour si longtemps. Non, les enfants d'alors que nous étions encore n'ont pas soupçonné tant ils étaient émerveillés. Que premier amour, leur premier amour était. Ouais. Bon, je suis pas. Tu m'as pas emporté plus que ça. Je m'attendais à plus. Prenant pour une époque où la France. Je veux dire, où la Mayenne. Ah, est-ce que la Mayenne était connue à l'Eurovision à une époque? Attends. La Mayenne. À l'Eurovision, la Mayenne. La lumière s'est éteinte dans la salle. Et c'est pour cela que vous n'avez pas d'image. Au fait, t'as eu personne pour t'envoyer leur candidature pour l'époque NED? Je pense que. Depuis la clôture? Bah, je crois pas, c'est pas moi qui les reçois. Après leur victoire. Oui, mais c'est pas moi qui les reçois, je peux pas te dire, j'en sais rien. Je pense pas. Mais. Je vous jure, j'ai cru que le début de la chanson c'était. Quand on prie la bonne étoile. Pour l'époque, ça aurait été marrant. Soling
n'hésitez pas à mettre ce que vous pensez des chansons hein, sur le chat. C'est toujours intéressant d'avoir, d'avoir des avis qui sont différents des miens. J'aime bien la petite la petite fin musicale, mais sinon bon c'est pas la plus voilà. Attends, on est déjà à la 11e, c'est pas vite. Ah c'est Philou. J'aime bien quand ils balancent juste les prénoms. C'est Jean-Philippe qui chante, c'est, ouais, c'est... Ah bah c'est Philou quoi. En début c'est Jean-Philippe. Je suis pas fan mais je suis KO et là ça me donne envie de dormir. Attends, la Suisse, là. Ah bah ouais. Là, tu vas te réveiller, à mon avis. Ah bah merde, non. Ça partait bien à réveiller, pourtant. Savoir que jeunesse se passe, il a compris quand son miroir lui a fait la grimace. Je viens d'apprendre que Miyuki n'est plus dans le chat parce qu'elle vient de lancer un live. La fleur de l'âge, en même temps que ses bagages, a trop cherché, on a gâché ce qu'on avait de mieux. Au fond des yeux, et voilà qu'au détour d'un chemin trop court, à chacun son tour, c'est le retour. Mais l'autre temps qui nous attend, nous faudra d'autres joies, à vous, à moi. C'est le temps sans détour, le temps de l'amour, à chacun son tour, c'est le retour,
oui, le retour des nouveaux jours. Celui-là, j'aime pas du tout dire il va me vendre du dentifrice. C'est vrai que ça fait très... Ouh, oh, un pays disparu va chanter. La Yougoslavie, putain. J'avais oublié ce nom. Surtout, c'est peut-être la raison pour laquelle ils ont arrêté. C'est peut-être suite à cette chanson-là. Donc, soyons attentifs. Son micro, on dirait une bite. Du don. J'ai pas vu son micro. Oui, il faut chanter. Oui, c'est là. Voilà. Ouais, bah ils ont bien fait de dissoudre la Yougoslavie. Hein. Ah mais c'est parce que t'as loupé l'Espagne. L'Espagne c'était pas mal. La Suède aussi c'était pas mal. L'Espagne et la Suède c'était vraiment pas mal. Après je pense que l'Eurovision à l'époque c'était très dans une très belle soirée ma foi. T'as passé une soirée toi là quoi. Alors qu'aujourd'hui c'est plus populaire quoi. Comme de par hasard j'arrive pour la partie un peu trop calme. Ah non, il va y avoir les votes tout à l'heure, ça va devenir comme des fous tu vois. Ils vont dire 12 points for the France. Et là tu vois les gens ils font oh. Toutes mes félicitations. De quoi? De quoi? Il se fait sonner les cloches de quoi? Oh la voix. Un peu Sinatra la voix. Oui,
fait bien, mais si c'est la même sonorité, on se fait chier au bout d'un moment. C'était l'époque. C'est vrai qu'il y a un peu de Jim Carrey. Ouais, ouais. Jim Carrey dans les années 60 a représenté le Royaume-Uni à l'Eurovision. Ding ding. Ding ding. Ding ding. Ding ding. We were married and the bells were ringing. It's a day that I'll never forget. I had that strange feeling. Once again, just the same as the day we met. Ring, ding, a ding, a ding. Ding, ding. All the bells are ringing. Ring, ding, a ding, a ding. Boom, boom. All the bells are singing. Ring, ding, a ding, a ding. Boom, boom. Ring, ding, a ding, a ding. Ding, ding. She's my ring. Bon, allez, je vais retourner travailler, ça marche. T'as craqué. Ouais, j'aimais bien. Bon, c'est pas la meilleure, mais ça va. Bon, et bah, bon boulot. Bon boulot, bon boulot. Jean Rodrès sera le chef d'orchestre. Au Luxembourg, on l'a pas eu tout à l'heure. Ouh. Merci, bonne fin de stream. Merci. Tu vas louper Dracula qui chante. Ah bah tu vois, ce que je disais. On dirait Dracula. Ça vaut pas belle Oligodzi. Hein. Le Dracula fillon. Dracula Fillon. Oh, je sais pas quel scientifique a fait ça, mais il devait pas être inspiré. C'est pas bien. Je t'ai répartagé. Petit pervers. J'ai déjà grand. Moi, petit bonhomme. Il faut que je te dise. Putain, mais... petit bonhomme. Oui, tu me parles pas comme ça. Et tu n'y croiras pas. Mais ben, dis-le. Mais quelquefois. Oui. Je fais d'autres valises. Fais des valises. Vite défaite. Ah. À cause de toi. Tout bon, j'ai rien fait. Petit bonhomme. Tu es David. Au jour du grand passage. Oui. Je serai seul. Oui. Et tu ne viendras pas. Je... ça dépend. Mais je dirai, mon fils est en voyage. Ah bah oui, mais... il est allé beaucoup plus loin. Il me perturbe. J'ai l'impression qu'il me parle. Monsieur, à la fin, il suce pour gagner l'Eurovision. Dracula, lui, de finesse. Il y a un peu de ça. C'était le numéro 14. 14, donc il en reste deux. Le Luxembourg, il en reste deux. À la 15e chanson,
il Italie nous envoie Claudio Villa qui chante Adio, Adio. Italie, ils sont costauds. Enfin, aujourd'hui, ils sont costauds. Est-ce qu'à l'époque, ils l'étaient? Une chanson qui, vous le verrez, aujourd'hui, ça reste un pays costaud à l'Eurovision italien. Ça s'y termine facilement dans le top 10. Bon, allez, c'était marrant, j'y vais vraiment cette fois, ça marche. Laisse en fond au boulot, sinon. I miei sorrisi e tuoi si sono spenti. J'ai pas envie d'y retourner, mais j'ai pas le choix. Bel boulot. Hein. E siamo soli, ci restano soltanto lunghi silenzi che voglion dire addio, addio. Il nostro amore. La fondante. Diventata sale, le nostre labbra inaridite non hanno più parole. Guardami, guardami, lo sai. Et des Italiens dans le chat, ça veut dire quoi, Attio? Ah bah non, je viens de dîner, c'est à toi, je crois. Radio Adio était donc la chanson numéro 15 qui l'Italie. Nous arrivons maintenant à la 16e et dernière chanson. Le tirage au sort y a placé le dernier. Et c'est François de Gaulle qui représente Monaco, Raymond Lefebvre. Qui a pas l'air très grand, qui doit faire la même taille que moi. La chanson s'appelle Dis rien, parole de René Russo, musique sentimentale. Ou c'est l'autre qui est beaucoup trop grand, peut-être, remarque. C'est Henri Salvador qui a écrit la chanson ? C'est ça le vrai poème. Et je me sens si bien, mon corps noyé au tien. Je suis comme dans une vague où mon bonheur divin. C'est si
profond, profond. Je me sens couler au fond. Dis rien, les mots sont bêtes. Ta robe, rien de toi ne se dérobe. Dans mes deux bras fermés, laisse-moi, oh, laisse-moi t'aimer. Dis rien, mon âme. Tes yeux ont sont tous les mêmes. Dis rien, dis rien, je t'aime. Je ne sais plus où nous sommes. Tu es femme et moi un homme. Et si l'on meurt de ça, je veux ouais. Pour l'instant, je reste. Moi, mes coups de cœur, c'est l'Espagne et la Suède. J'en ai deux. Voilà, François de Gaulle vient de chanter Dis rien de René Rousseau. J'en ai deux favoris. Et c'était la 16e et dernière chanson de ce festival. Il y a un récapitulatif ou... 16 chansons, grâce aux interprètes qui les ont défendues avec tout leur cœur et tout leur talent, nous venons d'accomplir un bien agréable tour d'Europe. Selon le règlement de ce Grand Prix, 5 minutes sont maintenant accordées au président des jurys pour voter. Minutes. L'instant est donc solennel, c'est le moment des grandes décisions. Putain, mais 5 minutes, c'est rien, quoi. Oh putain. Non, c'est fait exprès. C'était fait exprès. Vous êtes sourd? Vous êtes muet? Mais alors vous ne chantez pas? Il n'y a que des chanteurs ici. C'est quoi? Précise pour les auditeurs de la Suisse romande qu'un 17e concurrent vient d'arriver et que nous avons reconnu le grand clown Achille Zavatta. Il se promène dans l'orchestre et cherche une clarinette. C'est toujours sur l'Eurovision.
Il est chaud. Je savais pas à quoi ressemblait le visage d'Achille Zavatta, je crois. Qu'est-ce qu'il Ça a perdu. Chapeau, chapeau. Quel instrument il va ruiner encore. J'ai envie de poser la question, est-ce que c'est lui qui joue? Mais pour l'époque, faire du playback, c'est très compliqué quand même. Donc ça me paraît très logique que ce soit lui qui joue. C'est con. Pas voter pour Zavatta. Zavatta, bravo à ce 17e concurrent malheureusement hors concours. Nous revenons maintenant, si vous le voulez bien, aux choses sérieuses. C'est con. Nous allons dans quelques instants appeler les présidents des jurys et ceci dans l'ordre inverse des passages des chansons. Je vous rappelle que chacun d'eux cette année ne dispose que de 6 points. 3 points attribués à la chanson jugée la meilleure, 2 à la seconde, 1 à la troisième. Et le premier pays que j'appellerai ce soir sera la Principauté de Monaco. Allô, Monte-Carlo, m'entendez-vous? Oui, bonsoir Luxembourg. Bonsoir. Alors voici le résultat du jury. Luxembourg, 3 points. Luxembourg, 3 points. Allemagne, 2 points. Allemagne, 2 points. France, 1 point. France, chanson numéro 9, 1 point. Ceci termine le vote du jury monégasque. Merci à Monte-Carlo.
Nous allons maintenant appeler l'Italie. Allô, l'Italie. Allô, Rome. Vous m'entendez? Oui, c'est Rome. Bonsoir, Luxembourg. Bonsoir. Donc, les jurys de vote du jury italien. Chanson numéro 12. Yougoslavie, 3 points. Chanson numéro 12, la Yougoslavie, 3 points. Chanson numéro 9, France, 2 points. Chanson numéro 9, la France, 2 points. Chanson numéro 5, Danemark, 1 point. Chanson numéro 5, et c'est tout pour Rome. Le Danemark, 1 point. Merci, Rome. C'est pas pour ceux que j'aurais voté, moi, pour l'instant. Nous allons maintenant appeler le Grand-Duché de Luxembourg, et je pense qu'il n'y aura pas là de difficulté pour la communication. Allô, Luxembourg, vous m'entendez? Ah oui. Bien sûr, je vous entends très bien. Je t'en suis à côté, connasse. Chanson numéro 9, France, 1 point. Encore? Chanson numéro 9, la France, 1 point. Chanson numéro 15, Italie, 2 points. Chanson numéro 15, l'Italie, 2 points. Ouais. Et chanson numéro 16, Monaco, 3 points. Chanson numéro 16, Monaco, 3 points. Ceci termine le vote du Luxembourg. Merci, Luxembourg. Good evening, United Kingdom. Could you hear me? Yes, I am calling London. Hello to you and good evening. This is London. And here are the votes of the United Kingdom jury. Song number 1, chanson. Finland. Finlande. Ah, c'est Tipiti. C'est Tipiti. Song number 7, Germany. 2 votes. Ouais. Chanson numéro 7, l'Allemagne, 2 points. Song number 9, France. 1 vote. Chanson numéro 9, la France, 1 point. Eh bien, je crois que notre flèche peut dès à présent se diriger vers la France qui mène d'un point, de très peu d'ailleurs, d'un point, avec 5 bon, points. Ah bah merde. Merci au Royaume-Uni. Et nous l'Espagne, allons maintenant appeler la Suède. La Yougoslavie. Allô, la Yougoslavie, vous m'entendez? Allô, bah non, Zagreb. Ils sont dissous, hein. Oui, on vous entend. Bonsoir, Luxembourg. Bonsoir. Voici les votes du jury de la radio-télévision. Télévision c'est le Belge, la Yougoslavie. D'abord, chanson numéro 9, France, 3 Putain, points. Chanson ouais. numéro 9, la France, 3 points. Puis, chanson numéro 13, Royaume-Uni, 2 points. Chanson numéro 13, Royaume-Uni, 2 points. Et puis chanson numéro 15, Espagne. Italie. Je vais te faire foutre. Chanson numéro 15, l'Italie, 1 point. Ceci termine le vote yougoslave. Le vote, on merci, la Yougoslavie. Bonsoir. Eh bien, la France met nettement cette fois par 8 points. Oh, putain. Mais nous allons à présent appeler la Suisse. Allô, la Suisse. Allô, ils vont pas savoir voter la Suisse. Oui, je vous entends. Bonsoir Luxembourg. Bonsoir. Ici Zurich. Voici les votes du jury suisse. Chanson numéro 9, France, 3 points. Chanson numéro 9, la France, 3 points. Chanson numéro 13, Royaume-Uni, 2 points. Chanson numéro 13, le Royaume-Uni, 2 points. Et chanson numéro 14, Luxembourg, 1 point. Putain. Numéro 14, Luxembourg, 1 point. Ceci termine le vote suisse. Bonsoir, Luxembourg. Bonsoir. Nous allons maintenant appeler la Norvège et plus particulièrement Oslo. Oslo, m'entendez-vous? Good evening, Luxembourg. Good evening. Here is Norway, Oslo, with the jury. The voting. The first song from here is number 9, France. 3 points. Chanson numéro 9, la France, 3 points. Encore. Song number 16, Monaco, 2 points. Chanson numéro 16, Monaco, 2 points. And number 1, Finland, 1 point. Et chanson numéro 1, la France. Ah, Tipiti. 1 point. Tipiti. Merci. Nous allons appeler maintenant la France. Je crois qu'il est inutile de vous souligner que c'est toujours la France qui mène par 14 points. Putain.
Bonsoir la France, bonsoir Paris, vous nous entendez? Ah. Vous entendez très bien. Bonsoir. Pardon pour les Parisiens. Ici Paris, je suis pas très fan. Les votes du jury français. Chanson numéro 12, Yougoslavie, 3 points. Chanson numéro 12, la Yougoslavie, 3 points. Putain. Chanson numéro 10, Norvège, 2 points. Chanson numéro 10, Norvège, 2 points. Je me souviens plus. Chanson numéro 16, Monaco, 1 point. Chanson numéro 16, Monaco, 1 point. Notre vote est terminé. Bonsoir. Bonsoir. Nous appelons maintenant les Pays-Bas. J'appelle tout particulièrement Bossum. Nous entendez-vous? Bossum. Bonsoir Luxembourg. Voici Bossum. Voici les votes du jury néerlandais. Chanson numéro 16, Monaco, 3 points. Chanson numéro 16, Monaco, 3 points. Monaco, chanson vraiment, numéro 7, Allemagne, 2 points. Chanson numéro 7, l'Allemagne, 2 points. Et chanson numéro 6, Suède, 1 point. Chanson numéro 6, la Suède, 1 point. Ceci termine le vote néerlandais. Bonsoir, Luxembourg. Bonsoir. Nous appelons maintenant l'Allemagne et plus particulièrement Cologne. Capte pas bien Cologne, l'Allemagne, visiblement. Vous nous entendez? Hello, Luxembourg. This is Cologne. Good evening to you. Good evening. It was a difficult task. Here are the votes of the German jury. Song number 9. C'est une tâche difficile, l'a dit, avant de donner les votes. Chanson numéro 9, la France, 3 points. Putain, 17 points déjà. Song number 11, Switzerland, 2 marks. Chanson numéro 11, la Suisse, 2 points. Song number 16, Monaco, 1 mark. Chanson numéro 16, Monaco, 1 point. That concludes the German vote, but before we sign off, we'd like to thank you for a fine program. Guten Abend. Nous appelons maintenant la Suède. Allô, la Suède. Allô, Stockholm. Nous entendez-vous? Ah oui, ici Stockholm. Bonsoir, et voici les votes suédois. Ah, la plupart, ils parlent bien 9, français. Hein. La France, 3 points. Chanson numéro 9, la France, 3 points. Chanson numéro 12, la Yougoslavie, 2 points. Chanson numéro 12, la Yougoslavie, 2 points. Chanson numéro 5, le Danemark, 1 point. Chanson numéro 5, le Danemark. Ah, l'Espagne, ils ont toujours 0 point. Et c'est tout de Stockholm. Bonsoir. Bonsoir. Allô, le Danemark. Allô, Stockholm. Nous entendez-vous? Non, Copenhague. Oui. Copenhague, pardon. Danemark, Stockholm, ouais. Chanson numéro 6, 3 points. Chanson numéro 6, 3 points. Oui. Chanson numéro 7, 1 point. Chanson numéro 7, 1 point. Ah, c'est le même. Allemagne aussi. Et chanson numéro 13, Angleterre, 2 points. Chanson numéro 13, il s'agit bien du Royaume-Uni, je vous demande de répéter. Oui. Oui. C'est vrai. Chanson numéro 13, le Royaume-Uni, 1 point. 2 points. 2 points, oui. Pardon. Ça, c'est terminé. Le prof, c'est pas triché, hein. Il découvre vraiment les votes en même temps que nous. Non, je crois qu'il y a une petite contestation, je crois que vous avez donné 2 fois 2 points. Non. Ah. La Suède, chanson numéro 6. 3 points. Oui. Chanson numéro 7, Allemagne, 1 point. Oui. Et chanson numéro 13, Angleterre, 2 points. 2 points. Oui. I beg your pardon. Merci beaucoup. Eh bien, nous allons maintenant appeler l'Autriche. Allô, l'Autriche. Ah, la France pour l'instant. Oui. Allô, Vienne. Bonsoir, Luxembourg. Bonsoir. Voici Vienne. Voici les votes du jury autrichien. Chanson numéro 16, Monaco, 3 points. Chanson numéro 16, Monaco, 3 points. Chanson numéro 9, la France, 2 points. Chanson numéro 9, la France, 2 points. Chanson numéro 14, Luxembourg, 1 point. Chanson numéro 14, le Luxembourg,
un point. Comment c'est pas dans le public? Non. Pourquoi c'est vrai? Nous appelons maintenant l'Espagne. Allô l'Espagne. Allô, déjà, ils ne pourront pas voter pour l'Espagne, Bonsoir, Luxembourg. Voici l'Espagne. Voici le vote du jury espagnol. Chanson numéro 14. Luxembourg, 3 points. Chanson numéro 14, Luxembourg, 3 points. Chanson numéro 9, la France, 2 points. Chanson numéro 9, la France, 2 points. Chanson numéro 13, le Royaume-Uni, 1 point. Chanson numéro 13, le Royaume-Uni, 1 point. Ceci termine le vote du jury espagnol. Merci l'Espagne, merci Barcelone. Reste deux pays. Et nous appelons maintenant la Belgique. Allô la Belgique, allô Bruxelles, nous entendez-vous? Oui, très bien. Bonsoir Luxembourg, bonsoir. Ici Bruxelles. Voici les votes du jury belge. Chanson numéro 14, Luxembourg, 3 points. Chanson numéro 14, le Luxembourg, 3 points. Chanson numéro 9, la France, 2 points. Putain. Chanson numéro 9, la France, 2 points. C'est plus d'une vingtaine de points, l'orchestre. La plupart n'ont même pas dépassé les 10. La Yougoslavie, 1 point. Chanson numéro 12, la Yougoslavie, 1 point. Ceci termine le vote belge. Bonsoir, Luxembourg. Bonsoir, la Belgique. Et nous appelons maintenant un pays très lointain avec lequel, je l'espère, nous allons pouvoir entrer en communication. C'est la Finlande. Allô, la Finlande. Allô, ah, bah, c'est loin. Bonsoir Luxembourg, bonsoir, voici Helsinki. Voici le vote jury finlandais. Chanson numéro 13. Roi Jamini. 3 points. Chanson numéro 13, le Royaume-Uni, 3 points. Chanson numéro 7, l'Allemagne. 2 points. Chanson numéro 7, l'Allemagne, 2 points. Chanson numéro 12, Yougoslavie, 1 point. Chanson numéro 12, la Yougoslavie, 1 point. Donc ça change rien. Ceci termine le vote finlandais. Bonsoir Luxembourg. Bonsoir la Finlande. Donc il n'y a rien de plus là, c'est fini là. Nous en sommes donc venus maintenant à la proclamation des résultats. Ouais, bah du coup, il n'y a pas de suspense. Hein. On l'a annoncé déjà. La France arrive très nettement en tête avec 26 points avec la chanson « Un premier amour » interprétée par Isabelle Aubray. Viennent ensuite Monaco avec 13 points à qui il sera adressé une mention spéciale. Et ensuite, ah ouais, t'avais ça avant. Ensuite, le Grand-Duché de Luxembourg avec 11 points. Nous avons le grand plaisir ce soir d'avoir parmi nous Jean-Claude Pascal. Jean-Claude Pascal, dernier lauréat de ce grand prix Eurovision. D'accord. Et je pense que Jean-Claude Pascal ne refusera pas de venir m'aider dans cette tâche si agréable qu'est la remise des récompenses. Jean-Claude Pascal, voulez-vous venir jusqu'à nous? Bonsoir Jean-Claude Pascal. Bonsoir. Je pense que cette soirée a dû vous rappeler de bons souvenirs. Un très bons souvenirs, oui. Et je crois me souvenir, moi, que l'année dernière, au moment de la remise des résultats, vous étiez un peu ému. Il y a toujours un petit peu de quoi. Vous savez, c'est un concours terrible, très particulier, très difficile. Alors quand on a gagné, bien, on est un petit peu ému quand même. Bien, je on crois. Est surpris et ravi à la fois, donc on est ému. Eh bien, je crois, Jean-Claude Pascal, que vous serez très heureux ce soir de remettre le Grand Prix Eurovision à Isabelle Aubray. Mais bien sûr. Ce Grand Prix, c'est une très jolie médaille. Oui, il fait Napoléon. Une médaille qui représente le lion luxembourgeois. Oui. Blason du Luxembourg. Le oh lion putain est tard, bien sûr, à l'époque. Radio Luxembourg a donné des ailes, selon sa devise, Radio Luxembourg a donné des ailes. Attends, à l'époque, la récompense était une récompense du pays organisateur. Eh bien, nous pourrions maintenant appeler et c'est beau Aubray, et, enfin, si c'est ce que j'ai compris, en tout cas, c'est beau. Je pense qu'ils ont eu le temps de se préparer.
putain. Et voilà Isobel Aubray qui va donc remporter pour la troisième fois pour la France ce Grand Prix Eurovision. Car vous savez que la France a déjà triomphé en 58 avec Dors mon amour et en 60 avec Tom Phillips. Les auteurs vont arriver sur le plateau. Voici tout d'abord Roland Valade qui est le parolier. Ah bien, ils ont monté tout le monde sur scène. L'interprète, le parolier, le compositeur. Bah putain, bravo. Jean-Claude Pascal, je vais vous demander de remettre à Roland Valade et à Claude-Henri Vic les médailles de ce Grand Prix. Et voilà. Voilà une. Merci. Et en voilà deux. Magnifique. C'est très différent d'aujourd'hui quand même. Selon la tradition de ce Grand Prix, nous allons maintenant demander à Isobel Aubray de rechanter sa chanson, de rechanter Un premier amour. Je pense qu'elle le fera avec grand plaisir. C'est d'ailleurs sur cette chanson que se terminera cette émission retransmise en Eurovision. Ce sera donc un charmant bonsoir, un bonsoir que nous vous disons du cœur de l'Europe et de tout notre cœur. Bon, bah, réécoutons. Premier amour, premier amour, ne s'oublie jamais, s'oublie jamais, s'oublie jamais. Un premier amour, on le cherche toujours. Dans d'autres amours, toute sa vie, on court après. Il nous a troublés, fait rêver, fait trembler. Ce premier amour, premier amour, premier amour. Mais l'enfant qu'on est, l'enfant qu'on est resté, frémira toujours au souvenir de cet amour. Et toi que j'aimais, qu'as-tu fait de toi? Qu'as-tu fait sans moi? S'oublie jamais, s'oublie jamais, s'oublie jamais. Qu'un premier amour, on le cherche toujours. Dans d'autres amours, toute sa vie, on court après. Que tous ces baisers, qu'on s'est volés, plus que donnés. Ces gestes innocents nous engageaient pour si longtemps. Non, les enfants d'alors. Étions encore, n'ont pas soupçonné tant ils étaient émerveillés qu'un premier amour, leur premier amour, était si fort. Et voilà, pour la troisième fois, la France. Bah, une victoire de la France quand même, hein. Nous, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ça chez nous. Ça fait. En 60 avec Tom Phillips. Voici que ce premier amour et Isobel Aubray apporte à la France une troisième victoire. Mais Tom Phillips, c'est classe. Enfin, Tom, c'est classe. C'est cool. Dit rien et que la troisième place va au Grand-Duché de Luxembourg. Générique après. Bon, bah, pas mal. Plutôt intéressant, je trouve. Mireille Delannoy. Parce que, début d'émission, ils nous font planter par Mireille. Oui, bah.
Je la connais pas, moi. C'est pas Mimi, je la connais pas. Moi. Non, mais ouais, intéressant. En tout cas, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à le dire. N'hésitez pas à envoyer un petit message sur Facebook, Instagram, si vous voulez qu'on continue. Je pense que je continuerai, moi. À un moment, vous me dites, disiez que non, c'est chiant. Mais non, en vrai, c'est pas mal. ESC Stuff, voilà, c'était eux qui enfin, c'était cette chaîne YouTube-là qui proposait les émissions. Donc, ouais, non, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas ma favorite qui a gagné, mais bon. Ça arrive souvent. La seule fois où vraiment c'est arrivé, c'était en 2015. C'était Manza Merlo. C'était la Suède, justement, et j'avais envie que ce soit lui, et j'étais pas le seul, parce qu'il a gagné avant même la fin des résultats, donc... Non, mais ouais, pas mal. Bon, allez, eh ben, je vais vous laisser. Qui est-ce qu'il y a actuellement que je pourrais vous transférer? Je vais vous transférer vers quelqu'un, je vais pas vous laisser tout seul, quand même. Qui c'est qu'on a de connecté actuellement? Ah bah... justement, je me demande s'il n'y a pas... Écoutez, Chut, toi. S'il n'y a pas Miyuki, justement. Alors, excusez-moi, j'ai un petit bugasse. Un petit bugasse. Tech. Et bah, il y a Miyuki qui est connecté. Je vais vous transférer vers Miyuki qui nous a suivi en début de live et puis bah que je vous laisse redécouvrir derrière. Faut juste que j'aille sur mon tableau de bord pour vous transférer, sinon ça va être un peu plus compliqué. Allez, et bah, je vous transfère. Faites attention à vous. Voilà, soyez gentils, soyez sympas avec les gens que vous voyez. Je sais pas, vous faites ce que vous voulez. En fait, je m'en fous. Non, mais allez. Donc, je vous transfère. Non, ça c'est pas ça. Tac. C'est ça que je veux faire. Hop. Et puis voilà, tout simplement, faites attention à vous, quoi. Je meurs de honte, non mais Panda, pas de ça, trop tard, tu peux te graver. Allez, je vous laisse, des bisous.